Du boulot, ça vous intéresse? Qu'est-ce que je te sers? T'as oublié un truc? Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt isolé comme coin. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Il est là, ton ami ? Oda ? Il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est ? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka ? Celle du porte-avions ancré dans la baie ? La fille de Saburo ? Oui. Et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Tu lui fais vraiment confiance ? Oui. Très convaincant. Je n'ai plus rien à perdre. C'est mieux comme ça. C'est pire, parce que moi, j'ai des trucs à perdre. Il est en voiture. C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Takemura-san. Oda. C'est elle, la voleuse? C'est mon témoin, V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Ça va pas vous plaire, ce que j'ai à dire. Je vais être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. V. Tu peux lui faire confiance. Bon, d'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé.
Ça ressemblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur sa bourreau et se mette à l'étrangler. Silence! Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile! Oui, car contrairement à toi... Vous devez regarder la vérité en face! Oui, car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir à mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux. Pardon, mais ça va prendre encore longtemps. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as Oda, beaucoup de chance. C'est pas comme si on vous demandait l'impossible. Je vous demande juste quelques minutes. C'est à Hanako de décider si ce qu'on dit l'intéresse. Pas à vous. Vous allez nous aider? Pas question. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville, indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Nous sommes tous loin de chez nous. Et bon débarras. Un seul cinglé de char Arasaka à gérer, c'est déjà beaucoup. Bon, on aura essayé au moins. En effet, mais nous avons obtenu quelque chose d'utile. Oh. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à atteindre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japantown. Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixeur qui pourrait nous aider? Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Jigzag Street? Quel nom étrange. Pas plus étrange que Goro Takemura. Hein. Attention, tu te moques de moi. Trop souvent. Tout va bien, Goro? Oui. Pourquoi cet intérêt soudain? Je demandais ça comme ça. Faut toujours qu'il y ait une raison cachée avec toi. Désolé. Je me suis mal exprimé. Je ne suis pas habitué à ce genre de questions. Les gens comme moi sont soit en pleine forme, soit morts et enterrés. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros.
question. T'es à croquer, toi. Tu veux pas venir par là? Viens que je te goûte. Je cherche un peu de compagnie pour ce soir. Si oui, t'es au bon endroit. Venez ici. Bon, je dois dire que j'ai pas trop la mémoire des noms, mais j'oublie jamais un visage. Où est-ce que je vous ai déjà vu? À la télé? S'il vous plaît. Ça m'étonnerait. Ah, mais bien sûr! Hideshi Inno, la légende en chair et en os! Oh, tu arrives juste à temps. Vous savez qui c'est? Il s'en est fallu de peu. Il a failli me reconnaître. Oh, enfin. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Avec ton sens de l'humour, pourquoi pas? Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws... Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolée, je dois te laisser. J'ai... de la visite. V, contente de te voir. Et ton charmant ami, c'est... On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite kohei desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. T'aurais déjà appelé si t'en avais vraiment l'intention. C'est simple. Tu veux savoir pourquoi on est là. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka, alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir, moi. Monsieur Deschaux ne décrochait pas son téléphone? Allez, tu prends le pouls de ce quartier. Y a rien qui t'échappe. Le défilé en l'honneur de Saburo Arasaka, tu t'y prépares. C'est obligé. Tu ne risques pas de me voir porter le deuil. Imananto. Mais pour le reste, c'est vrai. Tout est sur ces éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Sérieux? Tu nous les donnes? J'ai mes raisons, mais vraiment aucune patience. Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Anako Arasaka, l'invitée d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément... là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements... récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un être honneur. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire.
Je ne vous retiens pas dans ce cas. Merci, Wakako. Ne vous remercions, Okada-san. Cette femme était vraiment très charmante. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Sois prudent, Goro. Toi aussi, sois prudente. À bientôt.